Force 1 avec de la houle. On va essayer de montrer de la houle. Ce qui n'est pas évident avec un appareil comme ça. Petit truc qui n'existe pas sur le lac de Neuchâtel. Voilà, nous voici amarrés sur une bouée dans le port. Pas très à l'abri ici, des bouées payantes. La mer. C'est-il pas joli tout ça? Au pied des Pyrénées. Avec plein de petits bistrots. Voilà pour vous faire oublier. On pourrait bien bercer par la houle qui rentre dans le port. Ici, Collioure.
part de vacances. Voilà le dernier rocher français, le village de Cerbère au fond. Ici, on arrive en Espagne. Et ça donne ceci sur la carte. On voit le bateau. Traverse la frontière virtuelle. Voilà, on est pour la première fois avec l'étoile filante en Espagne. Profonde qui devrait nous abriter du vent du sud-est annoncé. Et c'est l'Espagne. Voilà, nous voici dans une jolie petite crique. Je vais vous montrer. Ici, on est sur le Cap Creux. Hier soir, vendredi, on était à la Selva. Et puis, on a fait une toute petite nappe pour venir dans ce petit trou-là. Qui, lui, s'appelle le Golfo de Ravener. Et nous on est rentré par là, on est venu voir tout ici au fond, c'était très sombre, très encaissé, ça faisait pas trop envie, il y avait déjà des bateaux, et puis ensuite on a fait le tour, on est venu ici, c'est très joli et je vais vous montrer les images de ce joli petit coin. Il faut que je crapaille un peu. Ici on voit le large, petit caillou devant, et ensuite là les parois rocheuses. Avec ici une petite plage de sable, on est à qu'est-ce qu'on va dire 100 mètres. Et on va apprécier vu que demain on devra remonter suite à la panne de notre alternateur. Bonne journée. Voilà, on a dormi dans notre petite crique. Vraiment magnifique.
Voilà, on va quitter ce lieu magnifique et puis remonter direction 7, justement, faire notre réparation d'interrupteur. Merci beaucoup. Petit changement de décor. Cap sur 7. Ben, il manque plus que les dauphins, hein, puis ça serait parfait, mais pour l'instant, je pense qu'on les a pas mérités.